monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une FAQ, déjà premièrement parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait une sur ma chaîne. Je crois que ça va faire à peu près 6 mois, je me souviens que la dernière était après le premier confinement. Deuxièmement parce que je suis très fatiguée en ce moment et du coup j'ai pas trop la foi de faire des recherches pour l'écriture des vidéos, etc. Donc pour moi c'était un compromis et puis comme ça je m'étais dit que ce serait l'occasion voilà, que vous me posiez plein de questions parce que je reçois très souvent beaucoup de questions en MP, Insta. Donc je me suis dit au moins là c'était l'occasion de toutes les regrouper. Voilà, du coup on va commencer tout de suite. Je vous avais du coup demandé de me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs si jamais tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à le faire. Je te mets mon Insta juste là, c'est donc là où... je vous parle un petit peu de ma vie, je vous montre beaucoup de choses, notamment beaucoup de padis. Et je vous parle voilà, des vidéos, des sujets de vidéos et de plein de projets que j'ai en fait. Donc voilà. Première question de Juline Fraisse, qui est donc ma meilleure amie. L'une des questions quand même c'était, on pourrait voir moins de toi et plus de padis. Je le prends assez mal. Sinon, as-tu repris ton calendrier de l'Avent de Pierre comme... Oh, pardon, ça a bugué. As-tu repris ton calendrier de l'Avent de Pierre comme l'année dernière? Non, j'ai pas du tout de calendrier de l'Avent cette année, à mon plus grand désespoir, mais j'ai un chien. Non, en réalité, je viens tout juste d'emménager dans mon propre appartement, donc autant avant je pouvais me permettre de dépenser genre 30 balles dans un calendrier de l'Avent, autant c'est plus vraiment dans mes moyens, parce que j'ai un petit peu un loyer, des factures, des courses à payer, et notamment le veto de mon chien qui m'a coûté 100 balles ce mois-ci parce que monsieur a chopé une otite. Donc du coup, peut-être, on verra pour un calendrier de l'Avent chocolat, mais bon, c'est pas trop mon délire ce genre de truc. Donc non, pas de calendrier de l'Avent cette année. Alors ensuite, si tu devais retenir un instant de ta vie, un seul, lequel ça serait, positif ou négatif? C'est une très très bonne question. Très complexe. Positif ou négatif? Putain Marine, tu me mets une colle là. Alors, ça va être méga triste ce que je vais dire. Mais je pense que la seule chose que je retiendrai, ça aura peut-être aucun sens pour vous, mais si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui joue derrière. La seule chose que je souhaiterais retenir, ce serait quelque chose de négatif, ce serait le décès de ma grand-mère. Pourquoi? C'est méga triste de vouloir retenir que des morts. J'ai côtoyé la mort à plusieurs reprises dans ma vie, que ce soit moi dans ma vie personnelle ou alors des proches autour de moi qui sont décédés. Et à chaque fois c'est un rappel constant du fait que on est là que pour un court instant, qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut la profiter, enfin en profiter à fond quoi. Mais celui de ma grand-mère m'a le plus touchée en fait, on va dire. J'avais déjà vécu des décès dans ma famille et même dans mes proches avant ça, mais celui-là c'était vraiment celui qui m'a le plus touchée. Bah déjà parce que j'étais assez proche de ma grand-mère, sur beaucoup de points on se rapprochait énormément, et en fait elle m'a jamais quittée. Je sais qu'elle m'a jamais quittée et que voilà, elle veille encore sur moi. Ça peut paraître très bizarre, et en fait surtout son décès a eu un impact très important sur ma vie, puisque du coup c'est ce qui a fait que voilà, j'ai voulu encore plus apprécier la vie, et ça a énormément changé mon rapport avec la mort aussi également. Puisque à partir de ce moment-là, en fait, j'ai compris que fallait pas avoir peur de la mort, puisque la mort est inévitable, premièrement, et ça fait partie du processus de la vie. Sans la vie, il n'y aurait pas la mort, et sans la mort, il n'y aurait pas la vie. C'est un pendant, et c'est ça qui m'a fait réaliser ça, et pour moi, ça a changé énormément de choses dans ma vie, puisqu'en fait, aujourd'hui, j'ai absolument plus peur de mourir. Si aujourd'hui j'apprenais que j'avais un cancer, je dirais pas que je me battrais pas, mais voilà, je le prendrais comme ok, voilà. Et ça a changé énormément de choses moi dans ma vie de tous les jours, donc je pense que je le retiendrai, parce que aujourd'hui je serais pas la fille que je suis, la femme que je suis sans ça. Voilà. As-tu un conseil pour commencer la Wicca, car je m'y intéresse de plus en plus? Non. Parce que, en fait, ce qui me dérange avec ce genre de questions, c'est qu'en fait,
peu importe la spiritualité que vous avez, c'est votre chemin qu'il faut que vous créiez en fait. Donc c'est très honorable de votre part de venir me demander des conseils. Ça me touche parce que je me dis que quelque part ça veut dire que je peux avoir un impact sur votre apprentissage, mais en fait c'est pas le cas. Je veux dire, moi il y a personne qui m'a formée et je ne le regrette pas du tout. Oui, j'ai eu des interrogations à de longues périodes dans ma vie dans la pratique de l'ésotérisme, et à beaucoup de moments je me suis dit putain, j'aimerais bien en parler avec quelqu'un qui s'y connaît, etc. Mais je regrette pas parce que j'ai fait mes propres recherches, je me suis sortie les doigts du cul et du coup j'ai fait mes propres recherches, j'ai vraiment créé ma propre pratique, j'ai fait des erreurs qui m'a permis du coup d'en apprendre encore plus et d'évoluer encore plus. Donc le seul conseil, si je devrais t'en donner un, c'est tristement débrouille-toi par toi-même. Il faut que tu fasses tes propres recherches, il faut que tu t'ouvres à toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se cantonner à juste ce qu'une seule personne vous dit, il faut vraiment s'ouvrir à toutes les possibilités et surtout ne pas partir du principe que votre pratique c'est une seule et même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui peut-être que la Wicca t'intéressera mais peut-être que dans 2 ans tu te rendras compte qu'en réalité ça ne te correspond pas et du coup tu souhaites partir sur autre chose, voilà. On dit qu'en magie, il y a toujours un prix à payer, la magie bienveillante aussi. Alors cette question, quand je l'ai vue, ça m'a fait sourire, parce qu'en ce moment, je suis en train de me remater la série Once Upon a Time, je sais pas si vous connaissez. Je l'avais commencé il y a très longtemps, je l'ai jamais continué, donc je suis en train de me la remater. Et en fait, tout du long de cette série, on vous apprend que peu importe le type de magie que vous faites, il y a toujours un prix à payer. Et du coup, quand on m'a posé cette question, puisque c'est une question que je me suis clairement jamais posée dans ma pratique, j'ai réfléchi à, dans notre magie à nous, est-ce qu'il y a un prix à payer ? Et je pense que oui, mais pas dans la manière dont on l'entend. C'est-à-dire que pour moi, oui, il y a un prix à payer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre un être cher ou je sais pas, genre vraiment payer de son argent quoi que ce soit. Le prix à payer pour moi c'est son énergie, son temps et ouais sa patience, sa détermination, tout ça. Tout ce qu'en fait vous allez inculquer dans votre pratique, l'énergie que vous allez utiliser pour créer un sortilège ou tout simplement pour un rituel ou un sabbat ou un esba, ou alors tout simplement tout le temps que vous allez y mettre dans vos recherches ou tout simplement pour justement créer ce rituel, votre détermination à ne jamais abandonner quelque part et à continuer votre apprentissage, pour moi tout ça c'est un prix à payer parce que forcément le temps que vous y mettez, l'énergie que vous y mettez, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser pour autre chose. Donc c'est quelque chose que vous payez, enfin pour moi c'est la manière que j'ai de voir les choses. Après je me trompe peut-être, je serais très curieuse de savoir pour vous quel est le prix que l'on paye dans notre pratique aujourd'hui. Mais pour moi, oui, et dans la magie qu'on pratique, la magie bienveillante, si on peut dire ça comme ça, oui, il y a ce genre de prix à payer. Utilises-tu des runes dans ta pratique ? Alors, un petit peu, vraiment très très peu, parce que je m'y connais pas énormément et que j'ai très peur de faire une bêtise. Et pour l'instant, je m'intéresse déjà à beaucoup de choses, donc j'ai pas trop le temps, on va dire, de m'intéresser à ça. Les runes, la première fois que j'en ai utilisé c'était en tirant les runes tout simplement, donc je vais vous montrer. Du coup dans ce petit pochon vous avez mes runes, donc ce sont des pierres, ici par exemple c'est une pierre, ce sont des pierres de soleil et en fait elles sont gravées, je sais pas si le focus va bien vouloir se faire. Voilà, et là en fait du coup vous avez un symbole dessus et donc ça ce sont des runes pour la divination et c'est la toute première forme de divination que j'ai pratiquée. Ça m'intéressait énormément, déjà il y avait cet aspect avec les pierres et moi il faut savoir que je suis une grande passionnée de lithothérapie et de pierres et du coup je les utilise dans ma pratique comme ça, en tirage. J'ai aussi un oracle qui s'appelle l'oracle des runes, que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est une image juste ici, qui m'a été offert à Noël dernier par mon papa, qui pareil en fait reproduit un petit peu l'aspect des runes divinatoires puisque chaque carte correspond à une rune. Après sinon j'en trace parfois pour de la protection on va dire et des sortilèges et sinon dans mes maquillages par exemple pour les sabbats, très souvent sur le visage je me trace une rune qui est en rapport avec le sabbat. Voilà, c'est comme ça que j'utilise les runes dans ma pratique. Mais pas plus que ça parce que je me suis pas plus renseignée sur cette utilité là, voilà.
Crois-tu en la réincarnation ? Oui, totalement, ça fait partie des choses pour lesquelles je crois. J'ai de base toujours cru qu'il y avait autre chose après la mort. J'aurais pas été capable de vous dire si c'était un paradis, si c'était un au-delà, si c'était le fait qu'en fait notre esprit errait constamment sur Terre, etc. Et quand j'ai découvert du coup ce qu'était la réincarnation, pour moi ça a fait sens dans ma tête. Pour moi en fait la réincarnation c'est simplement votre âme qui quitte votre enveloppe charnelle pour en retrouver une autre. Ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 5, comme ça peut être immédiatement après. Et c'est une enveloppe charnelle, enfin non, ça quitte une enveloppe pour en reprendre une autre, mais pas forcément charnelle justement, c'est ce que je veux dire par là. Pour moi on peut se réincarner en plante, en arbre, en fleur si vous voulez, en oiseau, en chien, en loutre, en humain même, voilà. Et c'est pour ça que du coup, du fait que je crois à la réincarnation, je crois beaucoup en des vies antérieures. Hello, je me demandais comment tu avais su quels étaient tes animaux totems, bonne journée. Alors, le sujet des animaux totems, je voudrais l'aborder sur le blog. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un blog il y a pas longtemps, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que pour moi, ça n'a pas forcément sa place sur la chaîne, dans le sens où je m'y connais pas énormément et c'est très très court comme histoire, donc pour moi ça a plus sens de faire un article. Mais j'ai prévu de vous faire un article sur mes animaux totems, comment ils me sont apparus et quelle est un petit peu leur fonction, utilité si on peut dire, leur nombre, qu'ils sont, etc. Quelle est ta plante préférée en magie? J'utilise pas beaucoup de plantes en fait en magie. La magie verte c'est quelque chose que je trouve fascinant, genre vraiment. J'ai beaucoup de livres sur la magie verte, je vous avais même fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai dans le petit i également. Mais par contre mon cerveau n'arrive pas à intégrer toutes les plantes et leurs utilités. Autant les pierres il n'y a aucun souci, genre ça rentre, ça reste. Autant les plantes j'ai énormément de mal, du coup j'utilise très peu de plantes en fait en magie et dans ma pratique en général. Pour le mysticisme et le folklore, je dirais la mandragore ou la sauge, mais non, désolée. Si tu devais garder un seul livre, oracle et outil en magie, ça serait lequel? Alors, un seul livre, bah ce serait le grand livre des correspondances que je vous avais présenté, je crois dans mon tag, mes livres de sorcière, que je vous mettrai dans le petit aussi également. Parce que pour moi c'est un petit peu devenu ma bible, c'est-à-dire que je ne fais plus rien dans ma pratique sans ce livre. Peu importe ce que je fais, que je crée un rituel, un sort, une spell jar ou quoi que ce soit, je l'utilise. Je l'utilise même pour mes vidéos, donc notamment pour mes make-up des sabbats. Donc je l'utilise tout le temps, pour moi ce serait le livre que je garderais. L'oracle. Je vais choisir la facilité, mais je vais dire ouais, l'oracle d'Halloween parce que c'est celui que j'utilise le plus et qui est le plus facile pour moi à utiliser, donc il est vraiment vraiment pas prise de tête. Pareil, je vous l'avais présenté dans mon tag sur les oracles, donc ouais, je dirais oui. Et outil. Le chaudron, même si j'utilise très peu dans ma pratique, c'est vraiment celui que je garderai déjà parce que pour moi il représente énormément la sorcière en elle-même. Mais en plus de ça, il a vraiment une fonctionnalité qui est hyper pratique puisque vous pouvez l'utiliser pour mettre de l'eau avec des fleurs fraîches à l'intérieur ou alors justement y faire brûler des choses, etc. Pour moi il est vraiment très très pratique, donc ouais, le chaudron. Eh ben écoutez, il n'y avait pas plus de questions que ça, du coup je vais arrêter la vidéo dès maintenant, elle va être assez courte, mais bon ça compensera pour toutes les longues vidéos que j'ai faites. En tout cas voilà, je vous remercie énormément de m'avoir posé ces petites questions, c'était très sympathique. J'en ai éludé certaines de mes potes qui se sont amusés à me poser plein de questions qui n'avaient strictement rien à voir. Enfin bref, moi sur ce du coup je vous fais plein de bisous, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une vidéo, je vérifie mon agenda. Ouais, la semaine prochaine on se retrouve du coup dans un nouvel épisode de Dans ma boule de cristal, donc pour un nouvel épisode sur une méthode de divination. Voilà, moi sur ce du coup plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.